vice-président d'une association qui s'appelle Fihavanana. Que ça veut dire Fihavanana? C'est un mot malgache qui est difficilement traduisible en français. Ça veut dire les liens qui unissent les membres d'une même famille, quand ça se passe bien. C'est les liens de fraternité, les liens d'amitié. C'est l'art de vivre ensemble en bon entendre. C'est formidable ce et cette association, nous l'avons créée il y a maintenant 20 ans pour venir en aide à des gens qui, à Madagascar, vivent dans des conditions difficiles. André Ferron, qui est là-bas au fond de l'église, un ancien président de l'ASSO, va nous en dire un petit mot à la fin du concert. En premier lieu, quel plaisir de voir une église pleine comme ça. Justement pour marquer notre solidarité, en particulier avec les sinistrés de Madagascar après le passage de deux cyclones au début du mois de février de cette année. Vous avez peut-être aperçu à la fin, au fond de l'église, quelques photos qui montrent une ville qui a été particulièrement ravagée, qui s'appelle Maganza. Cases détruites, réserves alimentaires renversées, rizières portées, arbres déracinés, en particulier des laitiers, parce que c'est la région d'où viennent les laitiers que nous mangeons avant Noël. Personne sinistrée, maladie, etc. Évidemment, ça s'est passé très loin de chez nous, c'est à 8000 kilomètres. Mais les kilomètres, ça signifie rien. Nous faisons tous partie d'une seule et même humanité. Nous avons donc les uns envers les autres des responsabilités. Et puis, deuxièmement, quel honneur d'être ici, chez vous, en Côte, ce village qui est un modèle pour moi, pour nous, pour tous, un modèle d'accueil, un modèle d'amour vis-à-vis en particulier des familles ukrainiennes qui sont accueillis parmi nous. Et parmi nous, je crois que cet exemple mérite nos applaudissements. Elles sont là. Pas tous. Certains sont là. Bon. Et puis, on peut montrer notre amitié, notre accueil envers elles, à nouveau, des applaudissements. Pour que retentissent des voix
de la musique de trois ensembles. Le premier ensemble, ce sont des, vous les voyez derrière moi, des jeunes talents. Des jeunes talents de l'école de musique du port, sous la direction de Chabert. Le deuxième groupe, voilà, ce sont les voix de Normandie. Alors regardez dans, dans les programmes les chants qui nous ont portés. Et le dernier qui s'appelle Résiste. Quel choix. Vous êtes face à des gens qui, ailleurs, pas très loin de chez nous, résistent. Résistent tous les jours. Et le troisième ensemble, la majorité, vous les connaissez, ce sont les chanteurs du chœur d'âme d'Ipoh. Organisme de notre paroisse. On connaît tous l'adagio d'Albinoni. Tu le savais, je t'ai toujours dit que c'était Bach qui était, qu'on appelait le grand-père de l'Église, parce que le grand-père de la musique, parce qu'il est mort à 64 ans, et en fait c'est faux. Albinoni était plus vieux à la même époque. À 67 ans. Tu as vu, je t'ai enseigné des choses, et il ne faut jamais l'écouter. Allez, laisse on écoute. Thank you.
Thank you.
Someday you'll